Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de s'envoler avec un geyser corrompu dans les détours. Alors les geysers corrompus, vous allez pouvoir les trouver dans les détours, donc dans la grosse boule que vous voyez en face de moi. Alors comment trouver cette grosse boule? C'est très simple, elle est représentée par un rond sur la map de Fortnite. Elle arrive dans n'importe quelle ville aléatoirement à chaque partie sur Fortnite. Donc vous ouvrez votre carte et vous cherchez après cette grosse boule là, ce gros rond là. Ou alors vous pouvez aussi créer des petits détours avec les petites failles que vous voyez là, que vous voyez sur le gameplay. Donc là il y en a une, il y en a deux juste ici et il y en a une troisième juste là. Donc elles apparaissent aussi aléatoirement sur la map et il y en a toujours 3 par 3 qui apparaissent. Donc dès qu'il y en a une qui disparaît, elle réapparaît autre part. Et quand vous approchez de ces genres de failles, et ben ça crée un mini détour que vous pouvez aussi avoir des geysers. Je pense qu'il y a des geysers aussi qui se trouvent là-bas. Mais après je suis pas très sûr, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez essayer. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le gros geyser principal de Fortnite. Et là, dans le gros détour, excusez-moi, c'est pas le geyser, c'est le gros détour. Et dans ce détour, en fait, il y a des geysers. Et les geysers, en fait, c'est tout simplement les cratères que vous voyez juste ici. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement l'utiliser. Ensuite, ouvrir votre planeur pour vous envoler avec ce geyser. Donc grâce à ce geyser, vous pouvez vous envoler. Donc vous ouvrez votre planeur et logiquement, vous aurez terminé le défi, ce qui vous débloquera des XP plus des lingots d'or. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.